Tu as une très jolie petite sœur, hein? Oui. On va reconduire cette demoiselle jusque-là. Oui, tu peux lui faire un bisou parce que... Et nous accueillons le deuxième garçon de l'émission, c'est Monsieur Hugo. Tu viens, Hugo? Allez! Hugo, t'es un grand et beau garçon. Quel âge tu as? 5 ans et demi. Il a 5 ans et demi. Est-ce que ton papa fait du sport? Non. Est-ce que ton papa est grand et musclé? Non. Où il est, ton papa? Ici. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Levez-vous. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus. Vous venez de notre région de Lyon? Voilà. Vous avez un beau et fier garçon, hein? Il est gentil? Il s'engueule jamais avec son frère? Si, ça arrive. Est-ce que tu vas bien avec ton frère? Non. Mais qu'est-ce qui te fait? Il t'embête? Oui. Qu'est-ce qui te fait pour t'embêter? Une tape. Comment s'appelle ce monstre? Comment il s'appelle? Quentin. Viens là, Quentin. Viens là, Quentin. Quentin, pourquoi tu tapes ton frère? Parce qu'il m'embête. Parce que tu l'embêtes? Qu'est-ce qu'il te fait? Il me prend mes affaires. Il te prend les affaires. Et toi? Descends. Regardez-vous dans les yeux. Approchez-vous. Et donnez-vous un baiser de frère. Un baiser de frère. Embrassez-vous. Un coup sur la joue gauche, un coup sur la joue droite. Allez. 1, 2. Voilà. Ça n'empêchera pas qu'il se file un coup de pied dans un quart d'heure, mais c'est la vie. Quentin, tu chantes? Non. Tu chantes pas. Regarde, un coup sur la joue droite. Allez. 1, 2. Voilà. Ça n'empêchera pas qu'il se file un coup de pied dans un quart d'heure, mais c'est la vie. Quentin, tu chantes? Non. Tu chantes pas. Regarde-moi. La petite souris est passée? Oui. Dis donc, qu'est-ce que tu as dû faire comme argent? Dis donc, hein? C'est les Côtes d'Armor, là, hein? Ah ben, il y a un moment où ça fiche le camp, faut bien savoir. Ton papa, qui est en train de sucer son pouce, il est timide. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Magasin de jouets. Oh, oh! C'est formidable, hein, d'avoir un papa qui vend des jouets. Et maman, comment elle s'appelle? Agnès. Agnès, elle chante, Agnès? Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie comme travail? Facteur. Bonjour, facteur! C'est fou ce que les PET mettent les plus jolies femmes à nous apporter les bonnes et aussi parfois, faut bien le dire, les mauvaises nouvelles. Ça va, pas de grève en période? Non, on peut y aller tranquille. Les paquets de marrons glacés seront pas bloqués pour les fêtes. Très bien. Oh, tu vas chanter. Qu'est-ce que tu chantes, toi? Le gros duvet. Le? Gros duvet. Le gros duvet. Oui, sous le gros duvet. Sous le gros duvet. Qu'est-ce qu'on peut faire sous un gros duvet? C'est une chanson pour les enfants, hein? Oui, mais oui. Tu m'aurais pas mis des paroles, non? Eh bien, vas-y, tu chantes sous le gros duvet. J'ai tout bien mangé, je me suis lavé les mains, les dents. Couché. J'ai tout bien mangé, je me suis lavé les mains, les dents. Couché mon vélo joli à côté du lit. Couché mon vélo joli à côté du lit. J'ai tout bien rangé les petits jouets dans le tiroir. J'ai tout bien rangé les petits jouets dans le tiroir. Posé les crayons au fond de la boîte à bonbons. Poser les crayons au fond de la boîte à bonbons. J'attends mes bisous cachés dessous le gros duvet. J'attends mes bisous cachés dessous le gros duvet. Qui sait qui viendra, maman ou papa? Qui sait qui viendra, maman ou papa? Dis donc, est-ce que ton papa chante? Non. Tu l'as jamais entendu chanter de ta vie? Non. Viens, mon grand. Viens, parce que pendant que tu chantais, il faisait... Viens, on applaudit très fort le jeune papa. Alors,
Vraiment. Ça, c'est une première. Chante-la, la chanson. Je sais pas. Je t'ai vu faire... Alors, avec le petit. Allez, regarde bien. Regarde, un père et son fils. Allez. J'ai tout bien mangé, je me suis lavé les mains, les dents. J'ai tout bien mangé, je me suis lavé les mains, les dents. Couché mon vélo, je lis à côté du lit. Couché mon vélo, je lis à côté du lit. J'ai tout bien rangé, les petits jouets dans le tiroir. J'ai tout bien mangé, les petits jouets dans le tiroir. Poser mes crayons au fond de la boîte à bonbons. Poser mes crayons au fond de la boîte à bonbons. Alors, mon petit, comme tu as bien chanté devant ta femme, je te fais un cadeau. C'est le dernier disque d'Henri Dess. Merci. Allez, on fait un gros bravo à ce papa qui chante de tout son cœur. Dis donc, tu fais des galas en Suisse ? Je reviens d'une grande tournée que j'ai. Ah oui, tournée qui m'a permis de préparer l'Olympia. Très bien. Et tu fais des galas en France ? Et je vais commencer bientôt, là, tout de suite.